Une image 3D qui ne bouge pas, c'est triste. Une image 3D qui bouge, c'est tout de suite beaucoup plus rigolo. Une image 3D qui ne bouge plus, ça redevient triste. Une image 3D qui recommence à bouger, ça met de la joie dans les cœurs. Mais même pour un mouvement très simple, il faut modifier de façon impeccablement régulière des tas et des tas de choses. Au minimum, des coordonnées X ou Y et des orientations dans le plan XY. Quand on s'essaye à envisager l'articulation d'un objet déjà en mouvement, oula, ça tourne immédiatement à la prise de tête. Blender dispose certes d'un éditeur de courbes IPO, IPO étant sans doute l'abréviation d'interpolation, censé permettre d'aller jusqu'à l'animation de personnages et même des expressions faciales des personnages, mais c'est lui que j'ai utilisé pour cette animation archi-basique de chariot élévateur, et quand j'ai vu à quel point ça a été la croix et la bannière de l'employé rien que pour déplacer un objet à l'horizontale en arc de cercle, puis un autre objet tout bêtement du bas vers le haut, immédiatement je me suis dit que je n'avais pas appris à programmer pour rien et que je ferais toutes mes animations rien qu'avec des listings. Parce qu'avec un tout petit peu de science algorithmique, c'est vraiment facile d'aboutir à des centaines d'images régulières, tandis que je vous assure qu'avec des outils graphiques et supposés conviviaux, en pratique, c'est une galère pas possible. Cela dit, clairement, il est beaucoup plus facile d'élaborer une scène complètement statique que des objets en mouvement. Il y a cependant un objet qu'il n'est pas très difficile d'animer, et ça tombe bien parce qu'il est d'usage universel, c'est tout simplement la caméra. Voici par exemple une petite maquette représentant les grands personnages de l'histoire de France. Et bien là, la maquette ne bouge pas du tout, mais la caméra, elle se recule, c'est-à-dire qu'elle se déplace tout bêtement en ligne droite. Je vous assure que faire ça avec un script, c'est vraiment de la gnognotte, c'est l'affaire de 4 ou 5 lignes de code, pas plus. Voici Louis XIV, Napoléon le Grand, Badinguet le Petit, et enfin le grand Charles de Gaulle qui termine cette série des hommes illustres. Voici maintenant l'escalier en colimaçon d'un immeuble haussmannien que je me suis donné un mal de chien à modéliser, et voici ce qu'on voit de l'escalier quand on le monte. Bon, là on le monte à la façon d'un ascenseur, mais justement ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'il est vraiment très facile de programmer des déplacements en ligne droite. Ça n'est pas difficile, mais ça n'empêche pas que l'immense majorité des blenderiens sont infoutus de programmer ne fût-ce que ça, vu qu'on ne leur a jamais expliqué. Nous finirons par arriver en haut des 7 étages, alors d'accord, ça a beau être vertigineux, c'est un peu monotone, mais vous allez voir qu'il n'est pas très difficile de faire beaucoup plus joli. Modéliser un objet, même très simple comme ce joli coupe-cigare, c'est un travail long et minutieux, dont on a envie d'être payé au moins par la satisfaction de le voir sous tous les angles. La façon la plus simple de le faire, c'est de tourner autour, et avec un rien de notion de trigonométrie et de science algorithmique, ça peut être programmé en une demi-douzaine de lignes. Pour mieux comprendre ce qui se passe, j'ai l'habitude de faire figurer sur l'horizon des nombres de 1 à 36, correspondant à des azimuts de 10 à 360 degrés. Voici maintenant la cathédrale de Cochabamba, de dessus, de profil et de face. Eh bien, même topo, quand on tourne autour, on comprend beaucoup mieux comment le bâtiment est fichu. Cela étant, ce n'est pas la peine d'en faire un tour complet, parce que dans la vraie vie, cette cathédrale est placée au coin d'un pâté de maison, et il n'y a rien de visible à l'arrière. Voici le cénotaphe d'un grand écrivain et d'un de ses personnages, et voici une animation où la caméra tourne autour. L'un des plus gros défauts du bazar, c'est que l'inscription sous la croix est trop petite et éloignée pour qu'on puisse la lire. Donc c'est bien joli de dire que c'est facile de programmer un parcours de la caméra tout autour, mais il serait quand même plus intéressant de pouvoir s'approcher des détails. On verra par la suite que c'est tout à fait possible. En attendant, je me suis quand même permis quelques plaisanteries faciles sur la face arrière de ce glorieux monument funéraire. Ha ha ha! Je suis un petit rigolo, vous ne vous en seriez pas douté. Tous les objets ne sont pas faits pour qu'on tourne autour. Ce vaisselier, comme la plupart des meubles, est conçu pour être plaqué contre un mur, donc ça n'est pas très passionnant d'aller voir derrière. On aimerait nettement mieux pouvoir s'approcher des objets posés dessus. Voici une scène complète. Il n'est pas déplaisant de faire le tour d'une scène complète avec plein de petits éléments comme ça, mais moi, vu le mal que je me suis donné à mettre des meubles à l'intérieur de cette petite maison, j'aimerais bien pouvoir entrer dedans pour les voir. Il y a aussi des outils de jardin qui sont posés contre le mur. On ne les voit pas très bien parce qu'ils sont dans l'ombre, on les verrait bien mieux si on s'en approchait. Patience, nous finirons par y arriver.
Une variante de la rotation qui fait assez fantasmer a priori, c'est le panoramique. Pour ce qui est du code informatique, ce n'est pas plus difficile, vu qu'en fait c'est rigoureusement la même chose, mais ça suppose qu'il y a toujours quelque chose à voir à l'arrière-plan d'une scène 3D. Le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est le décor de théâtre peint. J'ai fait ce petit essai à titre de test il y a longtemps, avec assez peu de soin comme vous pouvez le constater, mais à ma grande surprise, en fait j'ai trouvé le résultat plutôt sympa. Et je me suis dit, un jour il faudra que je fasse ça sérieusement. Donc, des années plus tard, j'ai voulu faire ça vraiment sérieusement, avec un vrai relief de montagne de Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve du côté de Sallanches et de Saint-Gervais. Voici une carte de la région pompée sur OpenStreetMap. Voici les données orographiques, très simplifiées, de la zone, récupérées à partir de données satellites fournies par la NASA, excusez du peu. Entre parenthèses, ça n'était pas tout à fait évident à exploiter. Et enfin, voici une photo satellite de cette même zone fournie par Google Earth. Arriver à faire bouffer tout ça à Blender m'a demandé pas mal d'ingéniosité et un soin infini. Et voilà ce que ça donne au bout du compte, et qui est moyennement enthousiasmant, bien que ce relief de carton-pâte comprenne quand même la bagatelle de 10 000 points. Mais comme la zone considérée fait environ 31 km de longitude sur 22 km de latitude, et bien avec 10 000 points, ça fait que chacune des faces représentées à environ 265 mètres de côté, et de toute évidence, ce n'est pas d'une précision satisfaisante. Cela étant, un natif de la région identifiera quand même sans trop de peine ici la chaîne des Aravis, et maintenant la chaîne des Fises. Voici l'aiguille de Varan. Et un peu plus loin, nous allons voir arriver l'aiguille de Platé, puis les Aillères. Si on veut continuer à creuser cette idée d'un relief à l'arrière-plan, il est sans doute préférable de le modéliser à la main, comme je l'ai fait ici, en ajoutant une texture pour agrémenter un peu. L'intérêt graphique est au moins égal, et même à mon avis supérieur, et c'est beaucoup moins gourmand en vertex, puisque le relief que vous voyez se contente de seulement 400 points. En plus, pour rire un peu, il est très facile de remplacer la texture par une autre, paf, sans avoir du tout besoin de retravailler la géométrie. Monter un escalier en colimaçon à la façon d'un ascenseur, c'est bien, mais c'est mieux de le monter en colimaçon. Eh bien, on peut le faire avec un script à peine plus complexe que celui d'un panoramique. Il suffit d'imposer une rotation à la caméra en même temps qu'elle subit un mouvement d'ascenseur. Enfin, évidemment, il faut aussi prendre en compte la hauteur d'un étage, de façon qu'on termine un tour complet chaque fois qu'on arrive à la hauteur d'un palier. Si on le faisait à la main avec des courbes IPO, ce serait très minutieux et surtout très fastidieux, mais le script opère ses calculs tout simplement à partir de la valeur numérique qu'on lui a indiquée comme celle de la hauteur d'un étage, et donc on obtient un résultat irréprochable du premier coup. Moi, j'aime la perspective, mais je déteste la monotonie, et je me souviens très bien que quand je grimpais les 7 étages de ma chambre de bonne, je regardais le haut de l'escalier quand j'étais tout en bas, le bas de l'escalier quand j'étais tout en haut, et que le reste du temps, eh bien ma foi, je passais graduellement de l'un à l'autre. Voici un script à peine plus compliqué qui fait ça. C'est surtout visible dans la vue du milieu du côté gauche. La caméra monte comme un ascenseur, mais en plus elle tourne sur elle-même, mais en plus elle abaisse graduellement son angle de visée. Eh bien ce mouvement pourtant passablement complexe est complètement et parfaitement paramétré en seulement quelques lignes de script, comme vous pouvez vous-même le constater. Donc je me permets d'insister, si vous voulez obtenir des mouvements de caméra propres, vous avez tout intérêt à avoir quelques notions élémentaires de géométrie trigonométrie et à les marier avec quelques notions également élémentaires de Python. Avec ces deux savoirs qu'il n'est vraiment pas insurmontable d'apprendre à maîtriser, on obtient vraiment très facilement des effets visuels qui font riche pour pas cher. Voici maintenant le script d'une promenade dans la galerie des glaces du château de Versailles. Bon, un peu simplifié, faut être honnête, avec ses 73 mètres de long et ses 10,50 mètres de large. La zone horizontale très allongée en haut de l'écran, c'est la vue de dessus, et la vue en haut à gauche, c'est la vue de profil, c'est-à-dire en enfilade. Regardez surtout dans la zone horizontale du haut.
Le but de ce script, c'est de faire parcourir à une caméra toute la longueur de la galerie, mais en réalisant un panoramique en même temps qu'on avance. Au départ, on regarde toute l'enfilade, puis graduellement, on se met à regarder les glaces, et donc ce qu'elles reflètent, puis on marche à reculons en regardant de nouveau l'enfilade, et enfin on tourne la tête vers les fenêtres. Et voilà le travail. Évidemment, l'essentiel de l'intérêt visuel vient des effets d'ombre et de reflets, qui, soit dit en passant, sont excessivement gourmands en temps de réponse. Cela dit, tout ce joli travail est nonobstant bien mis en valeur par le mouvement, quand même assez complexe, de la caméra. Eh bien, on arrive à ce résultat rien qu'avec un script tout petit rikiki. Je me permets donc d'insister lourdement, si vous voulez obtenir des animations propres, prenez la peine d'apprendre un minimum de tricot. Par ailleurs, pensez aussi à regarder les légers reflets sur les vitres, ils m'ont demandé pas mal de travail. Au départ du mouvement que je vais vous décrire, on se place au niveau du sol pour effectuer un demi-tour de l'objet représenté, puis on emprunte un escalier à vis virtuelle pour monter à un étage supérieur en effectuant un nouveau demi-tour. Une fois au niveau supérieur, on effectue un tour complet. Nous étions tout à l'heure à Versailles, et bien nous restons dans l'ambiance des palais royaux, car j'ai assez pompeusement baptisé ce mouvement « Chambord », vu qu'il m'évoque, assez vaguement pour être honnête, le célèbre escalier à double révolution. À présent, nous prenons l'escalier descendant, en continuant de regarder l'objet sous toutes les coutures, et enfin nous bouclons la boucle en effectuant la deuxième moitié d'un tour d'horizon au niveau du sol, et nous aurons donc vu l'objet sous tous les angles. Voici un nouveau mouvement de ce type. Il suit absolument la même logique, mais il joue assez fortement sur la focale de la caméra, en même temps qu'il passe du niveau inférieur au niveau supérieur. On dézoome en montant, et par ailleurs on abaisse l'angle de visée avec bien sûr une régularité sans faille, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours idéal, pour aboutir à une vue générale au niveau supérieur. Les textures apposées sur trois des quatre têtes restent visibles, mais bien sûr, il est moins facile d'en distinguer les détails. L'idée est bien sûr de donner une vue d'ensemble de cette magnifique sculpture abstraite dans laquelle je vous invite à reconnaître une allégorie de la perplexité. Puis à nouveau, on zoome durant la descente avec la même régularité dans le relèvement graduel de l'angle de visée. Et enfin, on termine le tour complet du niveau inférieur en regardant de très près le détail des textures, éventuellement minutieux. La répétition étant la base même de la pédagogie, voici le même mouvement, vu cette fois dans Blender, avec la représentation classique en quatre vues. La perspective de la caméra en haut à droite, les trois autres vues, de dessus, de face et de profil, étant disposées en L. Les changements d'inclinaison de la caméra ne sautent pas aux yeux, sauf évidemment dans la vue en perspective en haut à droite. En revanche, les changements d'altitude de la caméra sont très compréhensibles, encore non qu'on ne puisse bien les voir que dans les deux vues du bas, c'est-à-dire celle de face et de profil. Pour ce qui est des changements de focale, ils se traduisent par un étirement ou une compression du symbole mobile représentant la caméra, mais c'est assez discret. Le mouvement de la caméra étant entièrement paramétré par un script, il n'y a pas grand risque que vous y détectiez des irrégularités, mais je vous le montre quand même pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Je pense que cette façon de regarder l'animation sous plusieurs angles à la fois ne contribue pas peu à former l'esprit à raisonner en trois dimensions, et même en 4, puisqu'on peut juger de la vitesse des mouvements. La quatrième dimension, bien sûr, c'est le temps. Passons à un autre mode de visualisation de Blender. J'arrête le mouvement qui nous distrait inutilement, et je reviens au début. Maintenant, jetons un coup d'œil au listing du script. En bas à droite, le listing définit ce qu'en Python on appelle un dictionnaire, qui en l'occurrence sert de fourre-tout pour toutes les valeurs paramétrant l'animation. Valeurs dont on peut bien sûr facilement tester des variantes, même minimes, jusqu'à en être pleinement satisfait. Remontons dans le listing pour voir la fonction update, sensiblement plus complexe que précédemment vu que l'animation comporte maintenant 4 phases, chacune faisant appel à l'une ou l'autre des deux routines que je vous montre maintenant. Tout cela n'est pas extrêmement compliqué, mais bon, il faut quand même un peu de connaissance de Python pour s'orienter là-dedans et y comprendre quelque chose. Le mieux pour faire comprendre ce qu'est un mouvement de caméra par courbe de Bézier dans l'espace-temps,
c'est de montrer directement ce que cela donne. Cette scène, que nous avons déjà vue, comporte environ 25 objets de taille variée, comme ces outils de jardin à poser contre un mur du petit chalet, ou comme les meubles qui se trouvent carrément à l'intérieur, et étaient donc invisibles lorsqu'on se contentait de tourner autour de la scène. La caméra suit un parcours sinueux à peu près comme le ferait un opérateur de Steadicam, c'est-à-dire avec les mouvements fluides d'un plan séquence, bien que les orientations de la caméra changent en même temps que le caméraman se déplace. Ici, par exemple, on regarde nettement vers le bas, mais on va très vite relever l'angle d'inclinaison pour que les objets que l'on côtoie soient autant que possible correctement cadrés. Là, par exemple, on relève assez la caméra pour voir l'arbre dans son entier. On termine cette animation par une accélération un peu sensible, qui serait probablement acrobatique et voire impossible pour un opérateur humain, mais qui peut paraître assez naturelle pour le spectateur. Voici le document Blender préparatoire de cette dernière séquence, avec dans la colonne de droite les noms des 22 caméras, numérotées plus ou moins de 20 en 20, pour qu'il soit facile de les classer et d'en ajouter si nécessaire. En bas à gauche, jetez un œil sur les paramètres numériques, même si je vais tout de suite devoir les remballer pour que vous puissiez voir également en bas à gauche l'emplacement des caméras à l'intérieur même du chalet. Je sélectionne les caméras une par une et dans l'ordre, pour que vous voyez à quel point tous les paramètres passent leur temps à varier, notamment ceux des rotations X et Z qui correspondent à la façon d'incliner et d'orienter chacune d'entre elles. Colonne de droite, je reviens en haut de la liste et je vais faire en sorte de faire apparaître dans la zone en couleur au milieu de l'écran les cadrages correspondant à chacune des caméras et je pense que vous reconnaîtrez facilement les étapes du parcours de l'animation si joliment fluide que je vous ai montré juste avant. Eh bien, toutes ces caméras intermédiaires ont été interpolées, non pas avec les courbes IPO de Blender qui ne me convainquent pas, mais avec quelques petites moulinettes Python de ma composition, employant la technique des courbes de Bézier. Je ne vous montrerai pas le code informatique, parce que, franchement, et sans vouloir me jeter des fleurs, c'est assez prise de tête. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai déjà montré. Mais une fois que ce code a été mis au point, il n'y a plus qu'à trifouiller quelques fichiers de paramétrage, dont je vais un peu plus tard vous montrer la syntaxe. On en est à la caméra 1260, on vient de sortir du chalet et on regarde la coccinelle. 1280, on voit la coccinelle et l'arbre. 1300, on se recule un peu pour voir la camionnette. 1320, début d'une vue générale et début de la rotation autour du chalet. 1360, on est juste au coin sud-ouest. Et 1380, c'est la fin de l'animation. Voici un petit script de ma composition, inclus dans le même fichier Blender, et qui, comme son nom l'indique, sert à analyser la scène, c'est-à-dire à écrire un petit fichier de texte énumérant tous les objets qu'elle comporte, avec leurs coordonnées X, Y et Z, et les paramètres de rotation autour des axes X, Y et Z. Ces objets sont classés automatiquement par Blender dans l'ordre alphabétique, et c'est pour ça que j'ai pris grand soin de donner à mes caméras des noms permettant de les retrouver tout de suite et dans le bon ordre, et donc je vire aussitôt de la liste tout ce qui ne concerne pas ces 22 caméras numérotées. Comme elles sont toutes ensemble, il suffit d'en trouver l'endroit où la liste s'arrête. Voilà, c'est ici. Donc on sélectionne toute la fin. On va jusqu'au bout du fichier. C'est vraiment très difficile comme exercice. On vire tout ce qui dépasse, et quand le fichier a été convenablement purgé, on le réenregistre. Cela étant fait, on retravaille un tout petit peu ce fichier pour aboutir à ce que vous voyez à présent. C'est à peu près la même chose, sauf qu'on a ajouté un petit dièse avant le nom de chaque caméra, et surtout, à la fin de la ligne, une indication de vitesse de déplacement pour chacune d'entre elles. C'est déterminé au pifomètre au terme de très nombreux essais dans Blender. Quand on trouve que ça va trop vite, on ralentit, et quand on trouve que ça se traîne, on accélère. Je vais vous montrer dans rien de temps à quoi ressemble un essai. Je vous ai dit que mes moulinettes d'interpolation par courbe de Bézier n'étaient pas vraiment simples. Il se trouve que quand j'ai commencé à les mettre au point, c'était avec Pauvret et non avec Blender, donc j'ai besoin de convertir le fichier que je viens de vous montrer à la syntaxe très subtilement différente avec laquelle je travaillais. C'est surtout dû au fait que les caméras de Blender pointent par défaut vers le bas, alors que je raisonnais sur des caméras pointant vers le bout de l'axe des X. Cette conversion est opérée, est-il besoin de le préciser, avec une moulinette de ma composition. Et là-dessus, il n'y a plus qu'à appliquer ma moulinette miracle à base de courbe de Bézier, et zou, les 22 caméras de départ deviennent près de 2000 paramétrages hyper précis, avec une caméra qui se déplace plus ou moins vite,
qui change ses angles de visée en permanence, tout en ayant à peu près en permanence des cadrages pertinents, correspondant aux 22 caméras mises en place précédemment à la Mimine. Il faut dans les 2000 lignes de paramétrage, puisque la séquence fluide que je vous ai montrée dure un peu plus d'une minute, à 30 images secondes. Ma moulinette ne fait qu'une bouchée de tout ça, je suis fier comme un petit banc et tralalair. On passe à un énième script de ma composition, celui-là n'est pas très malin, il lit les 2000 lignes que nous venons de voir et il les fait bouffer à Blender, ce qui prend une fraction de seconde. Après quoi, on n'a plus qu'à sélectionner la caméra mobile, faire en sorte que la petite fenêtre en couleur corresponde à ce que voit cette caméra, puis on lance l'animation, et zou, Blender produit en temps réel une prévisualisation de l'animation qu'on lui fera calculer par la suite. Regardez dans la vue de dessus ou dans les deux autres sous-vues, vous allez voir la caméra mobile passer très exactement par les emplacements des 22 caméras prédéfinies. Là, je n'ai pas trop mal travaillé, donc ça va donner l'impression que ça marche automagiquement, mais en fait, j'ai fait des tonnes et des tonnes d'essais en amont pour repérer les moments où les mouvements étaient trop amples ou trop brutaux. J'ai dû rajouter des caméras intermédiaires, en changer les cadrages juste un tout petit poil. C'est minutieux comme tout, ce travail, mais c'est aussi très très rigolo. Et comme en plus ça marche grâce à des moulinettes que j'ai écrites moi je comme un grand, eh bien je suis tout fierro, vous seriez pas capable d'en faire autant, bande de nazes. Donc je me permets d'exprimer une légitime fierté, voilà. Regardez dans la fenêtre en perspective du haut, vous allez voir la caméra mobile qui accélère pour passer à toute berzingue par les trois dernières caméras prédéfinies. Mais c'est joli comme tout ça madame, ça marche super bien et je suis génial. Parfaitement, il n'y a pas d'autre mot. Et modeste avec ça. Le déplacement des caméras dans l'espace-temps, c'est bien, mais c'est un déplacement. C'est conçu pour une caméra qui bouge. Peut-on employer la même technique pour effectuer de simples zooms, où l'on changerait la focale sans déplacer la caméra elle-même? Eh bien, pas vraiment. Comme on le voit, ça aboutit à des mouvements un peu brutaux et saccadés, parce que les courbes de Bézier, qui ne peuvent plus arrondir les angles dans l'espace, n'ont pas d'autre possibilité que de chercher à les arrondir dans le temps, d'où cette impression que les changements de focale ralentissent et accélèrent de façon erratique. En fait, il serait beaucoup plus facile d'obtenir un effet propre avec de bêtes scripts très voisins de ceux concernant les déplacements en ligne droite dont nous avons parlé au début de cette vidéo. Pour que les courbes de Bézier puissent être quand même dessinées, on est forcé de tricher en bougeant la caméra de quelques centimètres sans changer son orientation. En fait, on pourrait même la déplacer de seulement quelques millimètres, à la seule condition d'imposer des vitesses de déplacement ridiculement basses, de l'ordre d'un dixième de millimètre par heure. C'est pour cela que dans ce fichier source, correspondant à mes zooms médiocres, vous pouvez voir un peu partout la mention « en deçà ». J'avais d'abord essayé de définir aussi des positions « au-delà », mais en fait ça aboutissait à des mouvements encore plus erratiques. La vraie solution, c'est tout simplement de remplacer les zooms par de vrais travelling et d'approcher la caméra des objets qu'on veut mettre en valeur. Vous noterez que sur cette séquence, je m'applique bien à m'attarder sur les objets et à passer très vite sur les passages de l'un à l'autre. Ici, je m'attarde sur le téléphone, je passe très vite au moulin à café, je m'attarde sur le moulin à café, je passe très vite au corbac, je m'attarde sur le corbac, et je passe très vite au bougeoir, et je m'attarde sur le bougeoir, pour au bout du compte revenir à une vue générale. Ça marche très bien. Cela se traduit dans le fichier source par ces lignes que j'ai appelées bis et terre, où les paramètres des caméras restent inchangés, sauf en ce qui concerne la vitesse, avec systématiquement une valeur très faible entre deux valeurs faibles et une valeur plus élevée pour la transition entre deux groupes de trois valeurs, dont deux marquées bis et terre. 0,25, 0,1, 0,25, transition 2.0, 0,2, 0,0, 5, 0,2, transition 0,75 et ainsi de suite. Bien entendu, ces valeurs ont été trouvées au terme de nombreux essais, il faut un peu fignoler, mais ça n'est pas difficile. Comme la clé du problème, c'est clairement d'identifier les moments où il faut ralentir ou accélérer, et aussi de trouver au pifomètre les valeurs adaptées au contexte pour une vitesse lente et une vitesse rapide, j'ai concocté un exemple pédagogique en diable. Voici le plan d'une piste sur laquelle une camionnette va être censée se déplacer. La zone de départ est au niveau 0, la zone d'arrivée est un plateau censé être plus haut d'une vingtaine de mètres, et on y aboutit par deux pentes ascendantes,
avec une alternance perpétuelle entre les lignes droites et les virages. Voici une vue générale de cette piste, mais maintenant c'est de la 3D. Je pense que vous commencez à voir où se trouvent les deux pentes ascendantes de sens opposés. Comme les scripts de rotation, ça n'est pas fait pour les chiens, nous allons faire tourner la caméra autour de cette scène. Ça va vous permettre de bien comprendre où se trouvent les deux pentes ascendantes, avec le virage en épingle à cheveux, pour passer de l'une à l'autre. J'ai aussi mis en place plein de camionnettes correctement orientées pour qu'on comprenne bien dans quel sens on parcourt la piste. Voici les deux pentes ascendantes, et voici le plateau sur lequel on va arriver. Terminons le tour d'horizon, là, pour que vous jugiez un peu de la perspective. Voilà. Pour le paramétrage des caméras, ça n'est pas compliqué. J'ai placé une caméra légèrement derrière et au-dessus de chacune des camionnettes que je viens de vous montrer. Vous noterez que je ne me suis pas contenté de numéroter les caméras de 20 en 20. J'ai allongé leur nom pour qu'il me soit plus facile de déterminer quelle vitesse imposer au pifomètre, selon qu'on se trouve dans une ligne droite ou dans un virage. Il faudrait multiplier ces vitesses par 3 ou 4 pour obtenir des valeurs réalistes en km/h, tout simplement parce que la scène n'est pas définie à l'échelle métrique, l'unité vaut dans les 3-4 mètres. C'est dû au fait que je ne voulais pas me casser le tronc à retravailler tous les éclairages, alors que ceux que j'ai définis pour ma scène type de 50 mètres de large conviennent généralement, mais là on a une scène qui pourrait avoir dans les 200 mètres de large, et il m'arrive d'être partisan du moindre effort. Nous sommes donc sur le parking au niveau inférieur, et nous allons suivre ce parcours à la vitesse d'une camionnette qui roulerait pour de bon. Donc là, en ligne droite, on fonce. On arrive dans un virage en épingle à cheveux. Donc la caméra roule à la vitesse. Enfin, elle vole à la vitesse où se déplacerait la camionnette, c'est-à-dire au pas. Revoici une ligne droite, on fonce. Vroom. Nouveau virage. On roule au pas. Nouvelle ligne droite, on fonce. Premier virage en épingle à cheveux. On le fait au pas. Et nous allons amorcer la montée. Là, on va dire que la camionnette a un moteur puissant. Elle arrive en haut de la première côte pour un nouveau virage en épingle à cheveux. Qu'on emprunte bien entendu au pas. Et c'est parti, on met les gaz pour faire la deuxième pente ascendante. Vroom, 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 vroom. En haut de la côte, on ralentit. On tourne à gauche. On parcourt la largeur du parking supérieur. On tourne de nouveau à gauche et voici la dernière ligne droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une dernière ligne droite? On fonce! Et on roule au pas jusqu'à atteindre le bord du précipice, parce que ce serait vraiment dommage de tomber dedans. Au pas, au pas, au pas, au pas. Voilà, on va pas trop loin, on va pas trop loin, on va pas trop loin. Mais... Ah mais il se passe rien, on est une caméra, on n'est pas une vraie camionnette. Donc on peut continuer à voler, comme si on était un hélicoptère. Et on se remet dans la position de départ. C'est pas mignon ça? L'air de rien, il y a des années que je travaille sur les courbes de Bézier dans l'espace-temps. Je vous ai dit que ça n'était vraiment pas simple du tout. En particulier, quand j'en étais encore au stade du prototype, je me suis donné un mal de chien sur la scène de 2 km de large que vous êtes en train de voir, ici dans une version antique de Blender. Comme vous le voyez dans la colonne de droite, j'ai dû définir plus d'une soixantaine de caméras pour tester des déplacements dont la vitesse pouvait varier couramment entre celle d'un avion en réaction et celle d'un cycliste pas pressé, et vous noterez une fois de plus qu'une fois l'interpolation calculée, la caméra mobile passe très exactement à l'emplacement des caméras prédéfinies. A l'époque, je ne connaissais absolument rien au script dans Blender, et quand je pense que je me suis payé le recopiage des paramètres de ces 60 caméras à la mimine, je me dis que je suis quand même salement motivé, voire complètement dingue. Mais enfin, ça en valait la peine, au moins parce que ça m'a permis de tester les limites de capacité de Blender dans la gestion d'une scène plus vaste que la cinquantaine d'unités des réglages par défaut. Ma conclusion, ça n'est peut-être pas vraiment impossible, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée d'insister dans cette direction. Parcourons rapidement ce fichier source, faites surtout attention aux vitesses indiquées en fin de ligne, et cette fois vraiment en km/h. Pour cette scène, j'avais bien fait l'effort de changer le paramétrage des caméras pour que Blender puisse travailler au-delà de la zone de quelques dizaines de mètres de large pour laquelle les réglages par défaut conviennent. Les vitesses varient entre 4 et 300 km/h. Le résultat n'est pas parfait, mais je demande l'indulgence du jury,
parce qu'à l'époque, je n'avais pas mis au point les bidouilles pour effectuer des prévisualisations directement dans Blender. J'ai même calculé la première version de cette vidéo avec Povray, et même en très basse définition, ça a pris des heures et des heures. Donc j'ai arrêté de fignoler quand j'en ai eu marre d'attendre. Mais depuis, j'ai fait quelques progrès, notamment dans la gestion des textures, et pour cette nouvelle édition de ma vidéo de vol en hélico ou avion à réaction bicyclette, je me paye le luxe d'une texture un peu plus rigolote qu'au début. Faites bien attention aux portes du rez-de-chaussée de la petite maison dont nous nous approchons maintenant. Certaines faces ont disparu, on a le sentiment de pouvoir voir au travers. Cela prouve que l'on atteint les limites de capacité de Blender dans la gestion des détails quand on est trop loin du point haut. Pour gagner du temps, Blender effectue ses calculs avec peu de chiffres après la virgule, et à cause de cela, le diable arrive à se loger dans les détails. Cela dit, je pense que malgré tous ses défauts, cette petite vidéo reste assez bluffante avec l'ampleur de ses accélérations et décélérations, et que vous serez désormais convaincu que quand je parle de courbe de Bézier dans l'espace-temps, ce n'est pas pour le plaisir d'évoquer des notions absconses, mais parce que j'ai vraiment réfléchi à la question. Je vous laisse admirer l'ascension finale de mon avion à réaction hélicoptère, qui boucle la boucle et se remet dans la position initiale. Au total, cette séquence, qui dure 1 minute 35, a demandé le calcul de presque 3000 images. Juste pour le plaisir, et aussi parce que ce relief de la vallée de l'Arve m'avait quand même demandé beaucoup de travail, nous allons un peu nous promener dedans à la vitesse d'un avion à réaction, voire d'une soucoupe volante. Ici, nous survolons Sallanches. Ayez la bonté de me croire sur parole. Et cette grosse tache, ce sont les lacs de la Cavette. Et maintenant, la caméra se relève pour contempler dans toute sa splendeur le massif du Mont Blanc, avec ses aiguilles et ses glaciers. Si vous étiez du coin, vous reconnaîtriez tout. Bon, eh bien je ne suis pas fâché d'arriver au bout de cette vidéo qui m'a vraiment demandé beaucoup plus de travail que je ne l'avais anticipé, alors histoire de marquer le coup, je vais faire semblant d'atteindre une qualité semi-professionnelle en m'autorisant un vrai générique de fin, que bien sûr vous n'aurez pas le courage de lire, alors je vous le fais défiler à toute vitesse. Merci quand même de votre attention.